Aujourd'hui, les enjeux autour de la question foncière soulèvent d'autres problématiques, telles que le changement climatique, la croissance démographique. Et au Tchad, aujourd'hui, malheureusement, 80% des conflits qui sont au niveau de la justice sont liés au foncier. Et chaque année, nous avons, ou chaque mois, pratiquement, nous avons des conflits fonciers qui tournent autour de l'accès aux ressources. Et l'un des problèmes qui est le plus percutant, c'est le conflit agriculteur-éleveur. Et c'est un peu le pastoralisme, le nomadisme, où des populations éleveurs du nord descendent vers le sud d'une population d'agriculteurs. Et on se, au-delà, parce que au début, c'est juste le pastoralisme, le nomadisme, ça se fait de manière moins accentuée, mais avec le changement climatique, les éleveurs du Nord sont obligés de descendre plus tôt au Sud, donc avant que l'agriculteur ne récolte. Et souvent, on fait face à des conflits qui sont plus ou moins récurrents et sanglants, parce que souvent, il y a des morts. Donc je pense qu'au-delà de tout ça, la question foncière doit être abordée sous un angle holistique. On doit prendre en compte le changement climatique, la croissance démographique. Tous ces éléments-là doivent être combinés parce qu'il faut trouver une solution globale de telle sorte que comment faire pour éviter cet affrontement qui conduit souvent à des morts. Donc, je pense que c'est l'un des défis de la gouvernance foncière au Tchad. Comme toujours, ce n'est pas facile, mais ce n'est pas impossible. Je pense qu'on peut s'inspirer de plusieurs exemples d'autres pays. Je pense que c'est le programme Blendescale nous permet d'échanger, comme aujourd'hui, l'expérience de ce qui se passe à côté, à gauche et à droite. Et je pense qu'en réunissant tous ces éléments-là, on peut avoir des solutions qui peuvent résoudre ces problèmes qui endeuillent chaque année ou pratiquement chaque mois de famille au Tchad. Merci.